Et bonjour à tous les amis, c'est Brasier, votre gamer préféré du mois, j'espère. On se retrouve donc pour la nouvelle vidéo du jour du 7 décembre 2022. Donc c'est parti avec à la une, Conquête, un petit emote qui flotte librement et fièrement dans le vent. Saison 1, chapitre 4. Donc emote maintenant, décrochez la victoire royale et levez votre bannière avec l'emote revendication. Donc voilà, oui, ça pour 300 V-Bucks. Le retour de Guirlandine, invitez vos adversaires sur le gui. Saison 7, premier chapitre pour 800 V-Bucks. Le pack trouve du traîneau avec Dolph, il n'a pas besoin de traîneau. Partie d'ensemble d'hiver magique, disponible depuis la saison 1, chapitre 2. Avec sa couronne éclatante qui est son accessoire de dos, une décoration bien goupillée. Écumeuse nez rouge pour être la reine parmi les reines, saison 1, chapitre 1. Avec chasseur nez rouge, promenez dans les bois, saison 7, premier chapitre. Et marteau original nécessite un bon élan. Tout ça pour 1400 V-Bucks. Hors pack, vous avez écumeuse nez rouge pour 1200 V-Bucks. Dolph et sa couronne éclatante pour 1200 V-Bucks. Le chasseur nez rouge pour 800 V-Bucks. Le marteau original pour 800 V-Bucks également. Donc voilà. Ensuite, vous avez le chevalier araignée qui fait dans son grand retour sûrement. Attirez-les dans votre toile. Fait partie de l'ensemble arachnide disponible depuis la saison 6, premier chapitre. Avec sa pavois arachnéen, qui est un accessoire de dos, ne tient pas qu'un fil pour 2000 V-Bucks. L'arachné, tissez votre propre victoire, donc c'est parti du même ensemble. Avec long pack, qui est un accessoire de dos, attention, vous avez une araignée dans le dos, tout ça pour 2000 V-Bucks également. Le brise-toile, c'est la rôtie de Colette pour 800 V-Bucks. Épaire. Mieux vaut ne pas l'avoir au plafond, c'est le petit planeur pour 1200 V-Bucks. La toile de la veuve, c'est le petit revêtement d'armes pour 500 V-Bucks et animé. Voilà. Ensuite, vous avez la Tricera top 1 obscur. Les derniers survivants et celui qui aura plongé tous les ans dans les ténèbres. Partie d'ensemble, style reptile, disponible depuis la saison 1, chapitre 2, avec deux styles au choix. Avec son nouveau nez obscur qui est son accessoire de dos, les ténèbres trouvent toujours un chemin. Tout ça pour 1200 V-Bucks. Le reste obscur avec son sac à écailles obscur pour 1200 V-Bucks, c'est le même ensemble. Les dinosaures obscures, donc c'est leur outil de collecte, abattez une puissance préhistorique, tout ça pour 800 V-Bucks. Le rapace, ensuite vous avez rapace le hardi, faites que sa bannière perdure, fait partie de l'ensemble honneur guerrier, disponible depuis la saison 6, chapitre 2. Avec son arsenal de rapace, pensez également à vous armer de votre bravoure, tout ça pour 1200 V-Bucks. L'âge du serment que la justice guise ma voix, donc c'est son outil de collecte pour 500 V-Bucks. Voilà. Ensuite, vous avez la chevaleresse rouge. Soyez la menace rouge d'Arnachi Acres. Fait partie de l'ensemble chevalier disponible depuis la saison 1 pour un chapitre. Avec son bouclier rouge, le bouclier légendaire de la chevaleresse rouge. Tout ça pour la chevaleresse rouge, pardon. Tout ça pour le V-Bucks. La chepourpe, c'est son petite collette. Empoignée, écrasée, recommencée pour 800 V-Bucks. Ruby, qui fait son grand retour aussi, à votre tour de brief, partie d'ensemble sinistrier, disponible la saison X pour les chapitres, avec ses trois customs différents qu'on voit actuellement à l'écran. Avec son alerte rouge, envoyer la couleur, c'est son outil de collecte, son accessoire de dos, pardon, avec deux customs pour 1200 V-Bucks. Le fan de strier, c'est son outil de collecte pour 500 V-Bucks. Le strie céleste, c'est son petit planeur pour 500 V-Bucks. Voilà. Ensuite, vous êtes sur le pack, pardon, le pack casse-noisette, avec casse-noisette et son oiseau de bois qui est son accessoire de dos. Reine dragée avec son petit casse-noisette qui est son accessoire de dos également. La boule à neige, ce petit outil de collecte. Articuler sa petite emote, tout ça pour 2800 V-Bucks. Orpa, vous avez casse-noisette et son oiseau de bois pour 2000 V-Bucks. Reine dragée et son petit casse-noisette pour 1500 V-Bucks. La boule à neige pour 800 V-Bucks. Articuler sa petite emote pour 800 V-Bucks également. Ensuite, vous avez toujours le soldat d'hiver avec sa chaussette sinistre pour 1500 V-Bucks. La branche festive, c'est son outil de collecte pour 1200 V-Bucks. Le ho-ho-ho, c'est son revêtement d'armes pour 300 V-Bucks. Ensuite, vous avez Polaire et son Guinoui qui sont accessoires de dos pour 1200 V-Bucks. Ronchon et sa lanterne de jardin pour 1200 V-Bucks. Briscard de neige et son petit bonhomme pour 1500 V-Bucks. Glaçon, c'est un petit collecte saison 7, premier chapitre pour 500 V-Bucks. Voilà. Ensuite, vous avez toujours Lutin avec sa joueuse cloche qui sont accessoires de dos pour 1200 V-Bucks. Lutin Poskai avec son casse-écaille pour 1200 V-Bucks également. Les crochets festifs, c'est son outil de collecte pour 500 V-Bucks.
Le sucre d'orge, c'est parti en Peur Bleu, disponible depuis la saison 1, chapitre 1, réactif, réagit aux éliminations pour 1500 évêques. Le sucre d'orge, c'est la rouette bande d'armes pour 300 évêques. Ensuite, vous êtes sur le pack, si le combat est chaud, tant mieux, fait partie de l'ensemble Gardouillette, disponible depuis la saison 1, chapitre 2, style au choix avec 4 styles au choix pour 800 évêques. La patrouilleuse pyjama pour 800 évêques. La défenseuse douillette pour 800 évêques également. La jeunesse joviale pour 800 évêques. Le sucre de biche, c'est accessoire de dos pour 200 évêques. La fête douillette, c'est le revêtement d'armes pour 300 évêques. Voilà donc. Ensuite, vous êtes sur le pack pain d'épices avec gentil maraudeur et son maraudeur et kiki qui sont accessoires de dos. Le soda d'épices avec son ami sucré qui sont accessoires de dos. Un porte-pièce, un premier outil de collecte. Et masse pain, c'est le petit planeur, tout ça pour 2400 évêques. Ensuite, vous avez hors pack, vous avez gentil maraudeur et son maraudeur et kiki pour 1500 évêques. Soldat d'épices et son ami sucré pour 1500 évêques également. L'emporte-pièce pour 500 évêques. Le masse-pain pour 500 évêques également. Ensuite, vous avez le pack brigade d'épices avec assaillante d'épices. Elle n'a pas peur d'y aller fort. Fait partie de sa brigade d'épices disponible depuis la saison 5, chapitre 2. Avec son biscuit bougon. Passez-le au four pour avoir une colère bien moelleuse. Le maillet d'épices, c'est son outil de collecte. La voile vivrotante, c'est son petit planeur. Et la joyeuse rayure, qui est son petit revêtement d'armes, tout ça pour 1900 évêques. Hors pack, vous avez assaillante d'épices et son biscuit bourgon pour 1200 évêques. Le maillet d'épices pour 1800 évêques. La voile vivrotante pour 500 évêques. Les joyeuses rayures pour 300 évêques. Donc voilà, pack et hors pack. Ensuite, vous êtes sur le pack Club Fortnite avec Chloé Kim FFC, The Gref FFC, LeBron James FFC, Neymar Junior FFC. Mécano FFC et leur sac souvenir FFC, tout ça pour 3000 évêques. Hors pack, donc vous avez Neymar Junior pour 1200 évêques, Chloé Kim pour 1200 évêques, LeBron James pour 1200 évêques, The Graves pour 1200 évêques, Mécano FFC donc pour 1200 évêques, et le sac à souvenir pour 400 évêques, tout ça, voilà. Et voilà. Et club de foot Fortnite, personnalisez votre style. Voilà, il y a plusieurs styles différents, évidemment. Je ne vais pas vous montrer, il y a plusieurs styles différents. Voilà, vous avez quelques styles, voilà, avec le numéro et la couleur qui change, donc voilà. Ensuite, vous avez toujours le pack accessoires de dos Rick Cornichon. Boum, je me suis transformé en cornichon, voilà, il fait partie de l'ensemble Rick C137. Il est réactif, donc réagit aux dégâts subis et aux éliminations. Le visage change quand vous jouez l'ensemble, comprend un écran de chargement. Avec l'armée des larbins qui est écran de chargement, tout ça pour 500 évêques. Ensuite, vous avez toujours le pack Mega Morty avec Mega Morty, son sac à dos de Morty. Son serpent de l'espace qui est son petite collette, la gaine Swifty et le revêtement d'armes pour 2200 évêques. En pack, vous avez Mega Morty, son sac à dos de Morty pour 1500 évêques. Le serpent de l'espace qui est son petite collette pour 800 évêques. La gaine Swifty pour 500 évêques. Le besoin d'un coup de main pour 500 évêques également. Voilà. Ensuite, vous êtes sur le pack Monsieur Larbin avec Monsieur Larbin et sa boîte à larbin qui sont accessoires de dos. Le katana invoqué, c'est son petite collecte. L'apparition du larbin, c'est son petit planeur, tout ça pour 2500 évêques. Hors pack, vous avez Monsieur Larbin et sa boîte à larbin pour 1500 évêques. Le katana invoqué pour 800 évêques. L'apparition de larbin pour 800 évêques également. Ensuite, vous avez le pack Impératrice Summer avec Impératrice Summer et son invoqué de Glorzo qui sont accessoires de dos. La fourchette viscérale, c'est une petite collecte. Le petit planeur, le vaisseau de combat de Glorzo. Tout ça pour 2100 évêques. Hors pack, donc vous avez Impératrice Summer et l'œuf de Glorzo pour 1500 évêques. La fourchette viscérale pour 800 évêques. Le vaisseau de Glorzo pour 800 évêques également. Ensuite, vous êtes sur le pack Légende Givrée pour 2500 évêques. Avec Nomade des Neiges, Jeuleuse de Cœur et le Courtier Givré. Chacun avec leur accessoire de dos. Kizumi des Glaces, Renard de Glace et les Ailes d'Ange. Ainsi qu'à leur petite collette, Lame Congélante. Rupture glaciale et la canne cryogène. Ensuite, vous êtes sur le pack Gameuse augmentée pour 16€ qui vous donne accès permanent à la campagne Sauver le Monde. Vous gagnez 1500 V-Bucks en accomplissant les quêtes quotidiennes dans Sauver le Monde. Terminer les défenses bouclier anti-tempête base de 3 pour déverrouiller les quêtes quotidiennes et entamer ce pack de défis qui comprend la tenue Colby, le Connecto 128 qui est son accessoire de dos et le Tactito au poignet qui est outil de collette, tout ça donc pour 16€ les amis. Ensuite, vous êtes sur le pack Légende Bleuvage pour 2000 V-Bucks. Avec Genesis du Bleuvage, Cartoucheuse du Bleuvage et Léviathan du Bleuvage. Donc leur tête réagit, donc la tête se transforme selon la quantité de boucliers. Donc pour 2000 évêques. Ensuite, vous avez toujours les Chevaliers du Coin Restauration pour 2600 évêques. Avec Sir Burger et Saint-Tranche-Tech qui sont accessoires de dos. La spatule d'Algérienne, c'est son outil de collecte. Avec Zira le Cruel et sa cape de Zira qui sont outils
son accessoire de dos et la trancheuse de Zera, donc qui sont une petite collecte, avec Piccola Vaillante et son rondage assaisonné, qui sont accessoire de dos et son petite collègue et sa chasse piquante, et l'écran de chargement, menu combo, tout ça pour 2600 V-Bucks. Donc, ensuite, vous avez toujours le pack Agent Double pour 2500 V-Bucks avec Mythique Agent Double. Oui. Et son accessoire de dos, sinon Agent Double, Joker Agent Double et sa mallette Agent Double, Agent Double du Chaos avec son unité Ectoplasme Agent Double, tout ça pour 2500 V-Bucks. Ensuite, vous avez leur pack de Pioche de l'Ombre, donc qui va donc avec ce même pack que je viens de vous présenter. Pour 1200 V-Bucks, donc ils ont chacun leur outil de collecte, Lame de l'Ombre, Pince Dorée et Faux du Désordre. Tout ça pour 1200 V-Bucks. Ensuite, vous avez toujours le pack de quête du Toucher d'Or pour 12€, avec Marie d'Or et son Gambit Doré qui sont accessoires de dos. La Dague Dorée, c'est son outil de collecte, l'écran de chargement, Heure Dorée. Et pour finir, vous avez les quêtes supplémentaires pour Marie d'Or, donc pour gagner un compétition de ces quêtes, pour gagner jusqu'à 1500 V-Bucks, donc voilà. Ensuite, vous avez toujours le pack 20€ Légende Polaire, avec Soldat Lune Polaire, Poskai Polaire, Le Dévoreur et le Lutin, avec un accessoire de dos Donjon des Cimes, le deuxième bouclier du Lutin et le Rugissement, tout ça donc pour 20€. Ensuite, vous avez toujours le pack Légende Glaciaire, Légende Glaciaire pour 15€, pardon, avec Corbeau Glaciaire, Chevaleresse Rouge Glaciaire, Voleur de Cœur Glaciaire, chacun avec l'accessoire de dos, Cache de Fer Glaciaire, Bouclier Rouge Glaciaire et les ailes d'ange glaciaire. Et ensuite, pour finir, vous avez le pack Froid Éternel pour 12€, avec Pilote Arctique et son front froid qui est son petit planeur. La congélatrice, c'est son petite collecte. Le sac polaire, c'est son accessoire de dos. Et pour finir, en achetant ce petit pack, donc il vous donne 1000 V-Bucks. Donc voilà, ça vaut le coup d'acheter le pack pour 12€. Donc vous avez 1000 V-Bucks immédiatement. Sinon, vous avez la possibilité de souscrire au Club Fortnite. Des objets cosmiques exclusifs, alors vous finissez au club, avantage sur plusieurs mois. Des objets cosmiques exclusifs au club, une nouvelle étape est livrée chaque mois, tant que votre abonnement du club de Fortnite reste actif, donc vous gagnez pioche, accessoires de dos, je ne sais pas exactement, mais voilà, vous avez des objets supplémentaires en restant abonné au club Fortnite, donc voilà. Si vous avez déjà passé au combat, ils vous remboursent 150 V-Bucks. Et en plus, vous recevez 1000 V-Bucks chaque mois à la date de facturation du club. Et ce mois-ci en cadeau, c'est toujours Johnny l'écarlate avec son fourreau de traqueuse qui sont accessoires de dos. Le serment rouge, c'est son petite collecte. Et pour finir, le chasse à haut risque et l'écran de chargement, tout ça, donc pour 12€ par mois, les amis. Voilà. Sur cette vidéo, ça va se terminer. Alors n'oubliez pas, pour me soutenir et soutenir la chaîne, c'est très important. Hein, parce que bon, voilà, c'est grâce à vous que la chaîne existe, c'est grâce à vous qu'elle évolue, qu'elle avance. Donc je vous remercie grandement pour tous mes abonnés déjà que j'ai actuellement. Je vous dis un gros merci, donc n'hésitez pas, donc pour me soutenir encore plus les amis, à mettre le code brasier, c'est le code qui va vous réchauffer cet hiver, donc vous mettez ABCT et moi ça m'aide énormément. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas le petit pouce bleu, et si t'es pas encore abonné, c'est en bas à droite que tu peux le faire, c'est totalement gratuit. Voilà, si ma chaîne te plaît, n'hésite pas à le faire. Voilà, sur ce je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien et nous on se retrouve demain soir. Bye bye.